Et de retour les amis pour cet underdog, je suis en compagnie de Momo avec ses lunettes super fashion et 100% françaises et remboursables par la mutuelle. La mutuelle. Eh ouais. Attention. Ouais. Ah, c'est Imba. Hein. C'est Imba. Alors prochain match, Marinor versus Firecake. Gros match, hein. Franchement gros ça match. Te plaît. Marinor qui a pas réussi à se qualifier pour les WSL Challenger aujourd'hui. Quelle tristesse, il a perdu. Dommage. Firecake qui est toujours dans les WSL Challenger, qui va faire sûrement le up and down. D'accord. Mais il y a encore une qualif. Hein. Il y a encore une qualif. Hein. On va voir si nos chers Frenchies vont se qualifier comme Minimat ou Marine Lord ou d'autres personnes. Et là, maintenant, c'est Marine Lord Firecake qui va réussir à rejoindre tout simplement Dawnfall en demi-finale de ses Underdogs saison 10. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que vous en pensez, les canapiens? Écoute, là va être la question. Un pronostic est difficile quand même. On a deux gros joueurs là. Hein. Et d'ailleurs, sur Aligula, je trouve qu'ils sont top 3, top 4 sur Underdogs, les deux. Ouais, ils ont un classement qui est carrément c'est comparable. Après, pour l'instant, c'est plutôt Firecake qui a fait son trou en WCS, en compétition un peu officielle. Alors que Marine Lord reste un peu la jeune pousse. Mais on attend de voir quand est-ce qu'il va finir de pousser. Et je mettrai Firecake favori. Mais c'est intéressant, Tude. Je sais pas, mais j'aime bien les deux joueurs et j'avoue, je sais pas trop qui a l'avantage dans cette rencontre, mais je pense qu'on va avoir de belles games. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir des games de Marine Lord. Pareil. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je trouve sympa. Ouais, clairement pareil. Et qui est surtout clairement exceptionnel contre Zerg. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'aurais plus dit Marine Lord. Sur celle-là, j'irais plus Marine Lord. Mais c'est vrai que tout dépend en fait comment tu fais ton calcul. Est-ce que tu le fais sur les achievements ou est-ce que tu le fais sur la chaleur du moment ou la moule. Ou la moule, c'est vrai. Il y a quand même une part de chance indéniable. Oui, clairement. Mais après, fond, ouais, vu plutôt ça dépend aussi si Firecake a développé un autre jeu que son Fast 3 base et je fais des cryptumeurs pendant une heure. C'est vrai. T'as dit Marine Lord. Ouais. Attends, pour une fois, on a pris le même. Merde, le moment. Pas de dualité. Avoir bon, du coup, on a des stats à vous montrer. Ton pronos va être affûté du coup. Là, c'est pronos plus pro moment, mais on ne peut pas le rater. Si t'as la moment anticipation aussi. Voilà, ouais. On a la moment anticipation plus le pronos, on est trop fat. Alors, Lilbo, donc, qui est premier comme vous pouvez le voir à l'écran. Après, ensuite, il y a Teishi, Firecake en 3 et Marine Lord en 4. Downfall en 5, DNS qui pousse. Oh, et vous avez vu après. Et la brochette de A, t'as vu ouais. DNS, Minimat, Angel, Shubs et Psionic qui font le firewall. Il n'y a personne qui passe dans le top 4. Ce sera un de nous, les mecs. Donc excellent et voilà la game qui vient d'être lancée, on a à 0-0, on va jouer sur Outboxer, une map que j'apprécie d'ailleurs qui n'a pas été mise au final sur le ladder. Non, dommage, c'est vraiment une map que j'apprécie beaucoup. Oh, et Marine Lord qui commence directement avec le skill, avec les balls posés sur la table. Mais Marine Lord, lui, on le connaît, il aime bien les double racks contre Zerg. Hein. Il sait qu'il peut gagner une free win assez rapidement. Et contre Firecake, c'est, ouais. C'est presque sûr qu'il va fast expand. Ouais. Et surtout, voir, à mon avis, il a regardé le trajet de l'Overlord. Tu sais, les joueurs Terran, en général, ils vont travailler 2-3 replays du Zerg contre Terran sur cette carte pour voir le trajet de l'Overlord. Parce que malheureusement, la plupart des Zergs, ils font toujours le même trajet avec leur Overlord, parce que c'est un réflexe. Et là, l'Overlord, il va sur la B2 de Firecake, il avance et il recule, et il sait qu'il ira pas checker. Et regarde, notez même le worker, il est allé l'amener dans cette petite fougère pour faire genre s'il croit cet Overlord-là. Non, non, je viens du sud. Ce qui va être triste, c'est pour Firecake qui était parti sur H15, pool 16, donc genre assez bien greedy. Les marines vont arriver, je pense que ça va être très très dur à gérer. Un Firecake qui vient de le voir tout de suite là grâce à ce judicieux positionnement au niveau de l'Overlord. Il n'a pas fait d'Overlord, regarde Firecake, il n'a pas fait du tout d'Overlord, c'est-à-dire qu'il sera bloqué s'il perd pas de drone, il pourra faire que de Zergling, il pourra pas faire de Queen. Là, j'ai peur. Quoi, il pourra mais comment ça queen. Se fait. Bah, il avait pas pensé, puis après la hatch va sortir donc ça va pop up 2. Et après, il pense pour perdre des drones. Regarde-moi, les drones qui attaquent directement, 6 Zergling en production. Finalement, c'est très bien joué de la part de Firecake qui va chercher les marines jusqu'à carrément à la B3 de Marine Lord, mais quand même, ça rétorque, famille contre famille, qui va gagner, qui aura plus d'épaisse. Mais c'est bien joué, parce qu'en plus il gagne du temps, c'est un move qu'on voit de plus en plus, les drones qui repoussent super loin, donc c'est vrai que ça peut paraître à rigoler, mais en fait c'est juste tactiquement très bien joué. Les Zerglings ici qui vont arriver, attention, le bunker quand même qui va se terminer.
Allez, il va essayer de faire. Magnifique surround. Oh, le magnifique surround, il a laissé aucun marine passer, c'est-à-dire que le bunker sera vide. Et là, c'est la baston Zergling Drone contre SCV Marine. Oh là là, une belle micro, et finalement, regarde-moi ça, le bunker qui est là, mais qui ne va pas se faire. Ah, si, finalement, ils vont réussir à rentrer dans Ryan. Il laisse pas. Il dit non, tu ne montreras pas. J'aurai mes drones et mes Zergling. Qui te le sert, le problème, c'est que là, quand même, au niveau du drone, attention, parce qu'il descend en dessous de 5. Ouais, non, mais là, il y a 3. Ouais, il a perdu, là, les amis limite. Hein. Ouais, mais là, collecteur, les poulets, ça commence à devenir très chaud. Oh, bien joué, cette petite micro pour juste décaler. Allez, le Marine c'est un peu plus dans le rouge comme vous pouvez le voir avec les barres de vie. GG. Bah bravo, voilà tout simplement comment gagner une game assez facilement en Terran. Et un petit troll de Firecake qui t'aura sûrement fait sourire si tu retournes to game. On a presque l'impression que tu micro. Voilà. C'est standard les amis, c'est un là c'est un all-in hein. Donc c'est vrai que quand on fait des choses comme ça, les gens aiment bien vous répondre par une petite crotte de nez, histoire de vous rappeler que c'était sale. Faut être honnête, pour réussir ce double Orax, faut vraiment de la bonne micro, parce que sans cette micro ça tu ne passes pas. Ça fait plaisir que ce soit toi qui le dise. Non mais il faut le dire, parce que le double Orax c'est très facile à faire, mais après quand les Marines et les SCV passent, voilà, il faut vraiment savoir bien réagir. Il a reculé jusqu'à sa B3, il a ramené ses potes les SCV, et après il a genre fait stop avec le SCV, il s'est stoppé pour faire le mur. Après les Marines qui tapaient, qui reculaient, qui attaquaient, hop 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 hop, hit and run, et c'est ce qu'il faut faire. Et si tu fais pas ça, bah tu te fais rouler dessus. Et là, la très belle micro de Marine Land qui a fait gagner la game quoi. Donc il faut pas dire double hack, un clic, non. Là c'était loin d'être un clic, ça doit être genre limite à monter au 400 APM de Marine Land. Et belle réaction de Firecake, mais meilleure pour cette Marine paroisse. Land. Que pensez-vous sur le canapé, cette game? Bon, c'est un double axe, c'est rapide. Hein. Un double axe, quoi. Soit ça passe, soit ça passe pas. Et ouais. Bah, c'est... Mais là, ça a été belle tentative de Firecake qui sort quand même tous les drones. Il sort 9 drones, je crois. Non, il a tout sorti. Après, il en ressort après, mais au début, normalement, je crois qu'il fait 10 drones, si je me trompe pas. Et non, GG. Hein. Non, y a rien à dire. Il a contré, de toute façon, hein, tu ne dois pas trop jouer greedy. Le fait de faire Hatch 15 ou Hatch 16, Pool 16, voilà quoi, c'est une invitation à te faire sanctionner et Marine Land sait qu'il peut sanctionner. Et Marine Land qui troll, moi aussi je l'aime bien, mon Fire Kekounet. Donc voilà, il l'attaque, sec, je coupe la clim, j'ai froid à Marseille, ouais. C'est rare. D'accord. Parce que Marine Land est au Gaming House. Gaming House. J'ai vu son tweet hier. Et d'ailleurs, on vous rappelle Daichi hein, qui est en Corée. Il a tweeté là, une petite session de ladder là, où il a fait full win. Mais bon, il y a les matchs de classement dedans où il dit du coup ladder. Easy Corée. Et on a un site qu'on va vous montrer tout de suite. Un petit big up à celui qui l'a fait. C'est le site, donc tu peux montrer le lien vite fait. Exact. Comme ça, le lien qui est bestofanos.tremble.com. Je pense que sinon. Donc c'est des citations du prophète. Exactement, du prophète Anos. Parce que s'ils en font un avec moi, je pense que. Bon, à partir du moment où les missiles vont moins vite que les avions, ça ne sert plus à rien de faire des missiles. Vaut mieux faire des cerfs-volants. Par exemple. C'est vrai, si tu réfléchis. Non, mais j'aime bien. Mieux vaut s'éclater. Yang, sous le ghetto. Les Coréens sont débridés. Oh, Dieu, on est débridés dans nos têtes. Méditez là-dessus. Okay. J'avais loin quand même. Du lourd, hein. Ouais, il reprend beaucoup en fait de choses qui peuvent être dites. Un florilège un peu de ce que Anos a pu nous gratifier. Et je remercie d'ailleurs la personne son passage sur Terre. Qui a créé... Salaud. Mais je remercie la personne qui a créé ce mail, parce que Tumblr, comment on dit ce qu'on dit, Tumblr. Tumblr. Ouais. Ouais, parce que je connais pas bien. Et c'est vrai que de temps en temps j'y passe et c'est marrant. Alors que c'est moi qui l'ai dit, mais je me rappelle même pas de la moitié des trucs quoi. Ouais, je vais loin quand même. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui vais trop loin, c'est vous qui allez pas. Ça, c'est vrai, je l'ai dit. Bon, mais passons, les amis, en endgame. Merci à toi, Yata, pour ce petit délire.